Thank you.
Bonjour à tous, merci de votre présence, mesdames et messieurs, monsieur le représentant, le président de l'Union nationale des combattants de Pomponne, monsieur le représentant, bienvenue, mesdames et messieurs les représentants des associations pomponnaises, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, les enfants du conseil municipal de la jeunesse, merci de votre présence et tous les parents présents aujourd'hui, et les agents et le public. Je vais vous faire lecture pour cette commémoration du 8 mai 1945 du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Mme Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, Douradour sur Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Izieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahie. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique ou du Levant à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi, côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans des exactions que l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, des ziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés, simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Françaises et ces Français d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. C'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée, pour toujours. Elle nous anime.
Vive la République et vive la France. Je vous propose que nous déposions une gerbe devant le monument aux morts. Alors, s'il peut y avoir peut-être un élu ou moi ou avec un élu du conseil municipal de la jeunesse. Thank you.
termine cette cérémonie du 8 mai 1945. C'est l'occasion pour moi encore une fois de vous remercier tous de votre présence, Monsieur le Président de l'UNC Pomponne, Mesdames et Messieurs les élus, enfants élus et tous les accompagnateurs du public. L'occasion aussi pour moi de vous dire que nous avons organisé un petit pot de l'amitié, voilà, en salle numéro 3 pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, très bon 8 mai à tous et à très bientôt. Merci.